Il y a un mot qui n'a pas été prononcé durant toute la séance depuis tout à l'heure, c'est ce qui a été indiqué dans la résolution des Nations Unies Lorsqu a, lorsque les Nations Unies se sont saisies de cette question des disparitions forcées, c'est le terme de crime contre l'humanité. Et ça, c'est extrêmement important, pour ne pas dire fondamental, et ça rejoint vraiment toute l'humanité, toutes les communautés. Alors pour ça, il y a une, un, un triste anniversaire, mais tout de même un anniversaire de rappel. C'est le 30 août que les Nations Unies ont fixé, euh, cette, ont fixé la date pour se souvenir de toutes ces personnes qui, à travers le monde, non, pas vous l'avez dit, madame, non pas cette chance de pouvoir avoir une personne, un leader, une reconnaissance internationale et qui, pourtant, ont disparu dans le monde. alors, cette journée, pour cette journée du 30 août, eh bien, qu'on s'unisse tous, qu'on ait un combat commun pour vraiment que cessent ces pratiques abominables. aussi, euh, dans ce siècle, on est quand même maintenant le, euh, le, le siècle de l'avenir avec les nouvelles technologies, avec des choses extraordinaires qui se passent dans le monde. Alors vraiment que, que ça cesse et que nous puissions enfin, nous, société civile, aider les personnes qui, au sein des Nations unies, se battent pour que les instruments internationaux empêchent aussi que ces drames se perpétuent. Je vous remercie.